Shalom Alechem, on est dans Sharat Shuvah d'Arochot Tzadikim. Il dit le Rav, on est dans la barrière. Comment on gère la Shuvah? Il dit le Rav, Alitane Adam Inu Nefesh, Ben Yechelash, Libo, Vit Arev Moho, Viye Efsedo Mirubo Mischaro, qui va terminer la Torah, Shiler Batel Mina Halishut, Afil Besha'a, Shelomed, Lo Yuchal et Dagde Karoui, Vela Vina Ainyanim. Alors le Rav va nous dire quelque chose que je vous ai dit déjà, c'est fondamental. Il lui dit le Rav, même qu'un homme qui doit faire ta'anit, doit faire un jeûne, et ce jeûne là maintenant, c'est ça que ça va l'empêcher d'être orgueilleux, ça va l'empêcher d'avoir des plaisirs, des désirs, faire des loisirs, tout ce que vous voulez. Alors, même si un homme il va commencer à jeûner, que comme je vous ai dit hier, c'est pas trop conseillé. Jeûner, tu peux arriver à jeûner même au milieu de ton repas. Comment on peut jeûner au milieu de ton repas? Tu veux commencer à manger, tu repousses ton repas, une petite réaction de quelques secondes, tu prends un teilim, tu fais un psaume ou une petite mishnah. Après, tu continues à manger. C'est considéré comme un psaume, comme un tsom, comme un ta'anit, comme un jeûne. Ah, en fin de compte, j'ai mangé. Il lui dit le Rav, si maintenant un homme, lui, il va jeûner, il faut faire très attention comment jeûner. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, après, il va être faible. Et sa tête... elle va être dans le brouillard. Il ne va pas voir clair les choses. C'est pour ça même dans Avodat Hashem, quand un homme lui il fait tshuva, Baruch Hashem, il faut savoir, quand un homme lui il fait tshuva, il peut arriver à des niveaux très hauts. Le problème, il est, c'est dangereux. Si tu n'as pas bien travaillé les yesodot, la base, tu peux t'éclater. Mais si tu as bien travaillé, tu montes, tu es vigilant, tu es avec ton Rav, tu gères ta tshuva, tu peux arriver à des niveaux magnifiques. Tu peux comprendre qu'est-ce qui va accorder beaucoup dans ce monde. Comme il a dit David, Amelech en li ela kirvat Hashem, j'ai rien qu'une chose dans ma vie, le fait que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. Il me dit le Rav, si un homme, lui, maintenant, il va commencer à jeûner, des jeûnes en plus, Vié, FCDO, il va perdre plus qu'est-ce qu'il va gagner. Alors, est-ce qu'on veut quand un homme il fait tshuva? Il veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il regrette qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. En fin de compte, il va tout perdre. Qui? Parce que quand lui, maintenant, il est faible, il va pas étudier la Torah, plus aujourd'hui qu'avant. Avant, les gens, ils étaient costauds, ils pouvaient jeûner pendant une semaine. Baba Salé, tu le voyais, il étudiait à fond. Et il jeûnait toute la semaine, presque de Shabbat à Shabbat. Comment c'est possible? Ils étaient costauds. Nous, aujourd'hui, plus qu'avant, quoi? C'est encore étude à Torah, encore étude de la Gemara. Ça efface beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il dit, après, quand lui, il se met dans une situation suivante, qu'il va jeûner, chez Hiler Batel, Mila Khalishut, et il va être faible. La filou bécha, chélomède, et même quand lui va commencer à étudier, là, il ne va pas maintenant être pointueux maintenant dans la halakha, dans la gemara. Il va être vague. C'est un jour de jeûne quand on étudie, okay? On étudie la moitié de la journée. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il est fatigué déjà. Alors, c'est sûr que le bonhomme, quand lui va jeûner, il ne va pas bien comprendre. Qu'est-ce qu'il dit le Tana? Ou il va comprendre différemment? Et c'est dommage. Il dit, regardez le secret. Les fiches en Torah niknet elamitor simcha. Tu veux acquérir la Torah, il faut que tu es en joie. Et quand un homme, lui, il est en jeûne, il n'est pas en joie. C'est très difficile d'arriver à ce niveau-là que bonhomme, lui, il est en jeûne, il est en joie. Tu veux acquérir la Torah, il faut que tu es en joie. De quelle joie qu'on parle? On ne parle pas de joie, de holelout.
Et le bonhomme, lui, va prendre un verre de vin, deux verres de vin, une bouteille de vin, et après, il va commencer à danser, se mettre sur la table. Ce n'est pas de danser, de je sais pas quoi. La simcha, c'est comme il dit le Ochot Sadikim. D'être heureux dans sa peau, d'être Ashir, Bechelko, sa mère. Ça veut dire Ezeou, Ashir, à sa mère, Bechelko. C'est un homme que lui, qu'il est riche, c'est un homme que lui, qu'il est. Sa mère, il est heureux dans sa partie qu'il a. Ça veut dire un homme qui voit le côté plein du verre. Alors le verre, des fois, il est la moitié. Alors tu peux regarder le côté qu'il est vide, tu peux regarder le côté qu'il est plein. Un homme qui regarde tout le temps le côté plein, ça veut dire qu'il est positif. Mais un homme, il va te dire, écoute, si je vais regarder tout le temps le côté positif, alors comment je vais travailler sur moi-même? Je vais dire, c'est bon, je me contente de peu. C'est faux. D'être tout le temps positif, ça ne veut pas dire que tu vas jamais avancer. Parce que même qu'un homme que lui, qui veut avancer, être metaken et amidot, de travailler ses qualités, ses défauts, obligé quand il va faire un plan, un détail de ses qualités et ses défauts, il va mettre un à côté de l'autre. Il dit voilà, j'ai une qualité suivante. J'ai une qualité suivante. J'ai un défaut suivant. Et tout le temps, même quand il va essayer de travailler ses défauts, il regarde ses qualités. Parce que impossible un homme que lui qui va avancer s'il va regarder rien que les côtés négatifs. Pourquoi? Parce qu'il va se casser la figure. Comme ça, ils disent les Chachamim. Il dit le Rav, tu veux acquérir la Torah et la Metor Simcha. Si tu as la joie. Ça veut dire quelle joie, comme on a dit. Le Rav, il nous dit d'être dans ton limoud. Merci Boréola, mon prêtre, de remercier à Kodesh Baruch Hu de sa mère. Eziofi, Baruch Hashem, travailler sur lui-même dans la Simcha. Après, Bezat Hashem, on a déjà étudié la Simcha. De dire, de voir maintenant. Qui je suis un juif. Quand j'étudie la Torah dit, Akadosh Baruch Hu, il est en moi. Tu étudies la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est en toi, comme ça il disait Chacham. Akadosh Baruch Hu, la Torah, Israël, c'est un. Qu'est-ce que ça veut dire un? Quand tu étudies la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est en toi. Et quand Akadosh Baruch Hu, il est en toi, alors ça veut dire que tu es en joie. Il faut pas que lui qui s'empêche le fait que lui qu'il a la simcha dans une mitzvah ou il a un profit de la mitzvah. C'est le réjouir, c'est lui donne par exemple, nous on dit un kiff dans la mitzvah. C'est bon, c'est un bon signe, continue. Parce qu'il faut savoir une chose, on n'est pas seul. De tous les côtés. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il est là. Il faut bien, bien se mettre dans la tête. Akadosh Baruch Hu, jamais t'abandonne. Il est tout le temps avec toi. Yaakov, il dit, Ki ata imadi, shivtecha hema. Tu es tout le temps avec moi. Et si un homme lui sait que Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps avec lui, il ne faut pas oublier qu'il y a le Yetzer Hara qui est à côté de toi, qui te guette. Il fait toutes les ruses du monde pour te faire tomber. Toutes les ruses. Il te fait faire une mitzvah pour en fin de compte, tu te casses la figure. Pour après, à l'après, à l'après, il peut te faire une avéra. Il y en a un qui vient vers moi et il m'a dit, voilà, c'est qu'est-ce que je fais? C'est une mitzvah. Je lui ai dit, comment tu crois que c'est une mitzvah? Je dis, voilà, je fais chesed. J'ai parlé avec lui dans les détails. En fin de compte, je lui ai fait montrer que cette mitzvah qu'il fait, ce chesed qu'il fait, c'est pas chesed. Il fait chesed sur le compte des autres. Et si tu fais chesed sur le compte des autres, c'est pas une mitzvah, c'est une avéra. Comment ça se fait? Par exemple, je vais donner par exemple 10, une pièce de 10 euros à quelqu'un. Je prends tes 10 euros, je lui donne à lui. J'ai fait une mitzvah, nachon? Mais j'ai fait une avéra aussi, j'ai pris de l'argent. C'est une mitzvah, mais c'est une avéra. Un homme, lui, maintenant, il veut faire chesed dehors. Il veut, ben, par exemple, il fait des paniers. Il y en a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Il récolte de l'argent des gens
Et il vient vers la personne, à la fin, tiens un sachet plein de manger, la viande, poisson, pour Shabbat. C'est magnifique ou non? C'est magnifique. Et une mitzvah plus grande que cela, énorme. Cette mitzvah d'achon, quand c'est une personne, quand c'est 10 personnes, quand c'est 20 personnes, quand c'est 100 personnes, quand c'est 100 personnes, et bien, oh Hashem, tu as quoi? Une usine de Chesed Lichvot Shabbat. C'est magnifique ou non? Extraordinaire. Tu récoltes de l'argent vers les gens au téléphone. Rabbi Chaim Vital dit une chose suivante. Un homme qui rentre chez lui et sa femme, elle a besoin de lui. Mon mari, le fils, il faut que tu changes la couche. Écoute, hein, moi je suis fatigué, je viens du travail. La femme, elle doit changer les couches du petit. Aujourd'hui, je ne peux pas préparer à manger, il faut que je sois ce soir, etc., etc. Tu peux préparer à manger toi aussi. La femme, c'est elle qui doit faire à manger. Etc. Il dit Rabbi Chaim Vital, toute la Kabbalah qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Rabbi Chaim Vital. Comme ça, il dit le Harizal. Le Harizal, il a dit, j'ai étudié avec toi 1 an et 8 mois. Ou 1 an et 10 mois. Il a dit, je suis venu ici rien que pour toi. Et grâce à toi, on peut diviser la Kabbalah à tout Am Israël. Avant, ils étudiaient la Kabbalah des petits groupes, un clic d'olim, comme le Ramban. Tous les Gdolim avant les Rishonim, ils étudiaient la Kabbalah. Talmid et le Rav. Talmid et le Rav, c'est tout. Mais avant, après, quand Rabbi Chaim Vital est venu, le Arizal, il a dit, je vais te transmettre toute la Kabbalah, tu vas écrire. Et encore, ce n'était pas suffisamment. Ils ont enterré les livres de la Kabbalah avec le Rabbi Chaim Vital. Tant qu'il n'est pas venu dans son rêve de son fils Rabbi Shmuel Vital, on ne pouvait pas déterrer les livres qu'ils étaient avec Rabbi Chaim Vital enterrés. Après, ils ont eu l'ordre de déterrer les livres et là, ils ont diffusé la Kabbalah. Et Rabbi Chaim Vital, il dit, tout ce chesed que tu as fait pour tout le monde, qu'est-ce que tu as fait? L'usine de chesed. On va te jeter sur la figure après 120 ans si tu n'as pas fait chesed chez toi à la maison. Si tu n'as pas aidé ta femme. Ta femme, elle était, c'est le premier chesed, un des premiers chesed que tu peux faire au monde. Tes enfants aussi. On va te jeter tous. Tiens, on n'a pas besoin de te chesed que tu as fait, même que tu as donné à manger aux pauvres. Comment? Oui. Pourquoi? Parce que quand tu as fait ce chesed, c'était rien que pour toi. Quand tu dis merci beaucoup. Des fois, ta femme, elle te dit pas merci. C'est dommage, mais si la femme, elle peut dire merci à son mari quand, ça, quand son mari, c'est bien. C'est positif. C'est conseillé. Non, mais attends, tu es obligé, hein? Ah, c'est vrai, il est obligé de t'aider. Ah ben sauf, il lui demander merci. Et aussi la femme. Il faut dire, c'est l'homme quand lui il rentre chez lui à la femme, merci ma femme que tu m'as préparé à manger. Merci ma femme que tu m'as réveillé ce matin. Merci ma femme que tu m'as repassé ma chemise. Et si une femme, la femme, elle dit, écoute, je ne peux pas te repasser la chemise, le bonhomme va regarder de travers. Comment tu ne peux pas repasser la chemise? L'autre est là pourquoi? Tu sers à quoi? C'est faux. C'est faux. Il nous dit le Rav, maintenant on revient maintenant, c'est Shara Tchouba. Il nous dit le Rav, fait im yachlash libo al miout achilato, le fait que lui maintenant, alors maintenant, pour que lui qui voit clair, pour que lui qui voit où il y a la mitzvah, ou quand c'est une avéra, même que c'est un Talmid Chacham, c'est quand lui, il est Bessimcha. Parce que quand qu'il n'est pas Bessimcha, il voit beaucoup des fois les choses négativement. Négativement? Négativement. Quand quelqu'un, lui, il est en joie, quelqu'un qui lui donne un coup, ça va, c'est pas grave. Quand par exemple, quelqu'un que lui, on le taquinait tout le temps, on le taquinait. Il est là, il est enragé. Et c'est maintenant ce jour-là. Alors, monsieur Cohen, oui, c'est moi. 1 million de dollars ou 10 millions de dollars, tu as gagné dans la loterie. Vous êtes sûr que c'est Cohen? Oui, Cohen Abraham. Vous êtes Abraham, vous habitez à telle et telle rue? Oui, c'est moi. Et bien, vous avez gagné 10 millions de dollars. Quoi? C'est moi? Alors, maintenant, si quelqu'un il va l'embêter aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire?
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il est en joie, le bonhomme. Il a gagné les 10 millions de dollars. Qu'est-ce qui fait que le bonhomme, il fait attention? Pourquoi lui m'a fait? Pourquoi lui m'a dit? Pourquoi lui m'a regardé? Pourquoi lui m'a... Comment ils se sont comportés? Voilà, qu'est-ce qu'elle m'a dit ma femme? T'as vu mon fils comment il est? Pourquoi tout cela? Parce que le bonhomme, il n'est pas Bessimcha. Le bonhomme, nous, on ne voit pas que c'est Hachem à travers ta femme, Hachem à travers ton fils, Hachem à travers le bâton. On voit quoi? Oh, tu as vu celui-là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Attends, je vais l'attendre. Attends, attends. Il ne sait pas qui moi je suis. Je vais lui faire manque de Emouna. Si nous, on travaille, que le bâton, c'est HM. 10 millions de dollars, c'est HM. Là, on comprend bien. Ouais, à quoi la chamaille? Là, tournez tous là. À quoi la chamaille? Mais tu sais, même ta femme, quand elle t'a regardé de travers tout à l'heure, c'était même la chamaille aussi. Hein, Kakadosh Baruch Hu, il a voulu voir comment tu réagis. Si tu acceptes, tu sais aujourd'hui, on le dit trois fois par jour. Tu le sais aujourd'hui, tu le mets vers On ton peut pas cœur. tout accepter. Parce que on ne peut pas tout accepter. Pourquoi? Non, mais ça veut dire, si ta femme maintenant elle vient, elle tue tes trois enfants, tu vas pas rien faire. Écoute, tout c'est à gérer. Je ne vais pas dire maintenant que le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il se tait à chaque fois à 100%. C'est à gérer. Si maintenant le bonhomme, il sait que c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu, il attend de toi maintenant comment gérer les choses. Des fois, oui, tu dois parler gentiment à ta femme, mais pas tout de suite. Tu attends. Tout ça, c'est à gérer. Ça s'apprend comment? À gérer les choses. Ce n'est pas d'un jour au lendemain, ça s'apprend. Un homme, il ne peut pas maintenant évoluer d'un jour au lendemain. Quand on t'a donné un volant quand tu étais bébé, quand tu étais jeune, hein, un petit volant, c'était rien qu'un petit jouet. Maintenant, Baruch HaShem, quand tu as passé le permis, combien de cours que tu as fait? Tu as compris que tu as besoin de passer des cours pour prendre un volant. Comme ça dans le monde. Comment tu peux tenir le volant de ta maison? Faut que tu passes des cours. Maintenant, il croit qu'il se marie avec une femme, c'est bon, la femme, c'est une femme. On lui met la bague, elle a son rôle. Moi, j'ai mon rôle, elle s'occupe pas, elle se met pas au milieu de mon rôle, et moi non plus. C'est faux. Si un homme il croit comme ça, et ben c'est fiasco. En plus forte raison de nos jours. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent pas accepter. Déjà à l'époque, quand tu dis à Pépé, que lui qui met les filines là, et tu lui dis vers lui, Pépé, tu sais, les tefillines, c'est pas là qu'on met. Monte-les un peu plus haut. Qu'est-ce qu'il te répond, Pépé, en général? Mon fils, qu'est-ce que tu viens avec une nouvelle Torah? Chez nous, c'est pas comme chez vous. Avant, chez nous, ils étaient plus, etc., etc. Il n'accepte pas le bonhomme. Mais tu lui dis la vérité. Noir sur blanc, tefillines, tu les mets là, sur les cheveux, et pas là. Qu'est-ce qui fait qu'il n'accepte pas? L'orgueil. L'orgueil. Qu'est-ce qui fait que le bonhomme, quand lui rentre chez la maison, à la maison, il n'accepte pas quand sa femme elle lui reproche quelque chose, même que c'est émettre? C'est l'orgueil. Etc., etc., etc. Ça s'apprend. Tu veux tenir le volant à la maison? Il y a des chiourines. Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que c'est un enfant? Comment tu dois te comporter à la maison? Etc. Il me dit là, maintenant on retourne chez nous, il dit, et c'est maintenant le fait que lui, maintenant il veut jeûner. Comme il y en a un, il dit, Kvodarav, moi je sais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux faire. Ma vie, elle est entre mes mains, je veux évaluer, je sais, et le bonhomme, il fonce, il fonce, il fonce, il fonce. Après, il se casse la figure, il vient à quatre pattes. Lui dit le Rav, le fait que maintenant tu vas commencer à jeûner beaucoup, tu vas être faible. Tov lo shehu chashteh pa'amim, au moins, comme avant on mange, avant comment il mangeait avant? Deux repas. Ne mange pas trois repas, mange deux repas. Il mangeait bien bien le soir. Mais quand tu vas manger, tu ne vas pas manger par exemple
d'un coup, doucement, doucement, les gens ils mangeaient, ils étaient calmes quand ils mangeaient. Aujourd'hui, on mange vite, vite, vite. Ça aussi, c'est pas bon pour la santé. Mais il me demande les rejeter par mim, il y a etzlo, au moins, regardez, même si maintenant le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme, Daniel? Si par exemple, lui, maintenant, même s'il veut manger, il veut diminuer dans son manger, au moins qu'il va manger quelque chose que ça le réjouit. Il va manger un peu de choses pour tout ça, pour se renforcer, pour au moins qu'il ait, il a la joie. Qu'est-ce qu'il veut dire à le Rav? Le Rav, il veut nous dire une chose suivante. Même si tu veux maintenant attaquer par là-bas, de l'autre côté, ça veut dire, de l'autre côté, tu veux faire un jeûne où tu veux diminuer de manger pour être plus avoir d'attaché. C'est avec ton Rav, tu te conseilles, il faut faire attention. Tu diminues là-bas, il faut que tu te rajoutes un peu ici. Quoi? Quand tu vas manger du manger qui est agréable à tes yeux. Il ne faut pas trop serrer la ceinture. On a un qui fait la diète. Il dit, écoute, j'en ai marre de mon corps, je suis énorme, je vais faire la diète. S'il va commencer à s'amuser, oui, franchement, ne pas manger ou casser sa faim avec des cachets, tout cela, le bonhomme il est à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'amuser avec le Pas corps. dérégler le Il ne système. faut pas dérégler le système. C'est comme ça aussi, bien, Avodat Hashem. Avant, t'étais dans la poche du Yetzirara. Il faisait de toi qu'est-ce qu'il voulait. Quand je dis il faisait de toi qu'est-ce qu'il voulait, il faisait de toi tout ce qu'il voulait. Ça veut dire que quand tu avais faim, tu lui donnais à manger. Quand tu en as envie, tu lui donnais à manger. Qu'est-ce que tu regardes? Tu lui donnais à manger. Et tu donnais à manger au Yetzirara. Tu peux pas, quand tu avais un bon gâteau, tu comptais jusqu'à 10, tu le mangeais. Tu ne pouvais pas attendre plus que cela. Maintenant, c'est toi qui commences à gérer les choses. Ça veut dire, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, maintenant, je ne mange pas. Alors, etc. Il dit, quoi? Maintenant, tu ne manges pas? Comment c'est possible que tu ne manges pas? Avant, c'est toi que, quand tu avais envie, quand tu avais besoin, quand tu, etc., quand tu voulais, tu bougeais. Ça veut dire, tes plaisirs, ils étaient là, tes désirs, ils étaient là. C'est moi que je te gérais. Comment tu maintenant tu vas laisser tomber? Tu me laisses tomber? Allez, Serara, viens, il pousse. Et il bouscule. Et il ne te lâche pas. Il fait des tristesses à droite. Le bonhomme, tout d'un coup, il est angoissé. D'où ça vient ces angoisses-là? Et Serara, il fait des angoisses. Et il casse le bonhomme. Ta, 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 ta. Il tape. Et il tape. Et il tape. Jusqu'après, le bonhomme, il n'en peut plus. Des fois, c'est trop tard. Il va ramasser les miettes. C'est pour cela qu'un homme, que lui qui veut faire tchouva, il faut faire très attention de faire tchouva avec son rave, avec un rave. Comment évaluer? Il dit le rave Gamim Yire Benav, Shiye Tsarehi, Tanot Yom, Yomayim, Beshavo, Itane, Lefi Takanato, Ki a Yoshev, Et Anit, Vous Tsarech, La, Nikra, Kadosh. Même si un homme, lui, veut jeûner, il dit le rave, comme je vous ai dit que ce n'est pas trop conseillé de nos jours. De nos jours, c'est mieux conseillé, et c'est plus conseillé de quoi? De étudier une heure en plus. Tu as étudié une heure? Une demi-heure ajoute. Non, mais moi, je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, je veux faire Ta'anit. Ne t'amuse pas avec. Rajoute encore une demi-heure. On peut faire le petit Ta'anit dont vous parlez, quand je repousse un peu ma nourriture et Ça, ça. tu peux faire. Et c'est quoi la suite si je me lance là-dedans? Où ça m'amène? Quoi? Non, doucement, doucement. Tu viens de commencer. Non, mais c'est une question que je pose. Une petite, tu fais un petit psaume. C'est tout. C'est tout. Rien du tout d'autre. Et ça s'arrête. Et après? C'est tout. Après, on en reparlera. Commence. Ou bilvad, shalei bater min Torah, ou min mitzvot, même que maintenant tu vas commencer à jeûner. Moi, je rapporte moi les paroles du Rav. Au moins, faire attention de ne pas négliger Torah et Mitzvot. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Comment un homme, lui, quand il veut se rapprocher vers HaKadosh Baruch Hu, il faut qu'il gère sa vie avec le Rav, avec l'Imoud Torah. Bezat Hashem, HaKadosh Baruch Hu, Izakenu, de s'approcher le plus, Bezat Hashem, Chazak Baruch Hu.